Je vais enseigner un peu. Let me teach. Je vous avais promis dreams. Les rêves mystiques et leur impact. Mystical dreams and their impacts. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est dans les Bibles? What are those the Bibles? Bring up the Bibles. Je veux la Bible. Vous venez dimanche à l'église. Où est la Bible? La parole du Seigneur. Toi, tu as cherché la Bible quand c'est petit là, tu as. Monsieur. Bible là, quand c'est petit là. How can you have it just a small Bible? Allez chercher. Voilà, quand vous voulez, avec Dieu là, n'aimez pas les petites choses. Amen. Quand vous voulez, Seigneur, bénis-moi. Mais ne prends pas petite bénédiction là. Demande beaucoup. Moi, je suis celui là, je ne demande jamais au Seigneur. Ne me donne ni la richesse ni la pauvreté, même au milieu. Non, j'ai dit au Seigneur toutes les richesses là-dedans. On dit c'est la partie d'un mal petit. Lui, mais ça débat près de lui. Et pourtant, c'est petit là, tu veux. Bon, vous voulez que Dieu vous bénisse, un nouveau testament. How do you want God to bless you with this small Bible? Serge, la Bible. Eddie, elle a laissé pour elle. Elle a laissé Bible. Tu t'as paniqué, mais tu as connu au nom de Divo. Oh, vous-même là. Quand vous voyagez, la première chose que vous devez arranger, c'est la Bible. Moi, au coup, d'abord, c'est la Bible. When you're traveling, il faut comment? Il faut lire la parole de Dieu. Not to read God's word. Bah, vous n'avez pas la Bible. Pourquoi vous ne voulez pas que les sorciers vous mangent? Why don't you want the sorcerer to reach you if you don't have Bible? Beaucoup de piment là-dessus, avec gombo un peu. Là, ça va vite depuis on a appris. Bible. Les Bibles. The Bibles. Voilà. La Bible du Seigneur. Bibles of the Lord. Ah, les démons se manifestent. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Free. Lâche-la. Free. Lâche-la. Free. C'est un ordre. It's an order. C'est un ordre. It's an order. Tu vas la libérer. Release. Tu vas la libérer. Release. Tu vas la libérer. You release him. 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 C'est un ordre. It's an order. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Allez. Go. Allez. Go. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Allez, lâche-la. Release him. Lâche la vie. Live your life. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Release her tu life. Vas la libérer. You release her. Tu vas libérer sa vie. You release her life. Tu vas libérer sa vie. You release her life. Tu vas libérer sa vie. You release. You live her life. Tu vas libérer sa vie. You free her life. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Allez. Go. Allez. Go. Le feu sur toi. Fire. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Free her.
Lâche-la. Free her. Va l'étouffer. Keep sa vie. Live her life. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Tu vas partir. Tu m'attends? And you go. Tu vas partir. You go. Si. Yes. Si. Tu vas partir. You go. Tu vas partir. You leave. Oui. Yeah. Si. Yeah. You leave her life. Tu vas la libérer. And you release her. Tu vas la libérer. And you free her. Tu vas la libérer. You free her. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Va-t'en. Out. Allez. Go. Tu vas quitter sa vie. You leave her life. C'est un ordre. It's an order. C'est un ordre. It's an order. Allez. Go. Le feu sur toi. Fire on you. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Ouais, lâche-la. Quitte sa vie. Live alive. Quitte sa vie. Live alive. Quitte sa vie. Live alive. Tu vas partir. And you go. Tu vas partir. You go. Tu vas partir. You go. Elle n'est pas ta femme. She's not your wife. Elle n'est pas ta femme. She's not your wife. Elle n'est pas ta femme. She's not your wife. Elle n'est pas ta femme. She's not your wife. Tu m'attends. Do you hear me? Tu m'attends. Do you hear me? Tu m'attends. Do you catch me? Tu m'attends. Do you catch me? Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release him. Lâche-la. Release him. Lâche-la. Release him. Lâche-la. Release him. Le feu sur toi. Fire on you. 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 Le feu. Fire. 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 Consume. Destroys. Tes œuvres. Your actions. Consume. Consume tes actions. Dans ce corps. Lâche-la. Release her. 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 I command. Allez, en genoux. Your knees down. Allez, here. Ici. Here. Ici. Here. Allez, viens. Come here. Viens. Come here. Viens. Come here. Ici. Here. Viens. Come. Viens. You come. Viens. Allez, lève-toi. Get up. Lève-toi. Get up. Lève-toi. Get up. Viens. Come here. Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Toi. You. Esprit. Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Tu parles? It's up. Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Toi. Who are you? Oui. Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Who are you? Tu fais quoi dans sa vie? What are you doing in Qu'est-ce life? Que tu as gâté dans sa vie? What is destroying the life? Qui es-tu? Who are you? Tu parles. It's up. Qui es-tu? Who are you? Qu'est-ce que tu as gâté? What did it destroy? Qu'est-ce que tu as gâché? What did it destroy in the life? Tu vas parler. You talk. Tu vas parler. You talk. Oui. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? What did it destroy in the life? Tu as gâté quoi? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? What did it destroy in the life? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? What did it destroy in the life? Qu'est-ce que tu as gâché? What tu parles. Did it destroy? Tu parles.
Il talk. Tu parles. Il talk. Tu parles. Il talk. Tu parles. Il talk. Parce que ce corps. Because this body. Ce corps ne t'appartient pas. Does not belong to you. Parle et libère ce corps. You go and leave this body. C'est un ordre. It's an order. Qu'est-ce que tu as gâché? What did you destroy? Qu'est-ce que tu as gâté? What did you destroy in your life? Qu'est-ce que tu as gâté? What did you destroy? Qu'est-ce que tu as gâté? Qu'est-ce que tu as gâché dans cette vie? Did you destroy feu! In your life? Le feu! Fire! Consume tes œuvres! Destroy your actions! Tu m'attends? Do you hear me? Tu m'attends? You hear me? Tu vas libérer sa vie. Tu vas la libérer. You free her. Tu vas la libérer. You free her. Si. Si. Yeah. Ce corps. This body. Ne t'appartient pas. Does not belong to you. Ce corps. This ne t'appartient pas. Does not belong to you. Ce corps. Ne t'appartient pas. Does not belong to you. Ce corps. Ne t'appartient pas. This body does not belong to you. Ce corps. This body. Ne t'appartient plus. Does not belong to you. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. This body does not belong to you. Ce corps ne t'appartient pas. Hey, go. Laisse-la. Laisse-la. You go. Laisse-la. Laisse-la. Allez. Allez, laisse-la. 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 Allez. Release her. Laisse-la. Release her. Laisse-la. Allez. Go. Allez. You go. Allez. You go. Laisse-la. Release her. Laisse-la. Release her. Laisse-la. Release laisse son âme. Liberate her. Laisse son âme. Laisse son âme. Release her soul. 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 Tu vas partir. And you leave. Vous gagnez un temps, demande au groupe d'intercession d'aller faire la délivrance. On gagne plus en temps par rapport au message. Amen. Amen. Voilà, aidez-la. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mamie? T'as oublié? T'achètes tout sauf ça? Hein? Hein? Mais comment tu peux être à l'église et n'as pas ce réflexe-là d'avoir une Bible sur toi? Can you be at church? Moi, il m'a toujours ma Bible dans mon sac. Je suis dans l'avion, il m'a la Bible. C'est important. My bag. It's very important. C'est pas pour que ça soit oreillé. Pas prendre des dents pour aller manger pour photo. Don't take it. Bible. Oh, les gens, ils ont des portables dangereux. Mais pour Dieu, là, ils ne sont pas prêts. Depuis un moment, Dieu m'a demandé de payer Bible et de donner gratuitement aux gens. Ça, là, il achète Bible gratuitement. C'est lui, l'on paye, Dieu. Ah, il l'a déjà payé, ça. Bible. Ami. Et demande où c'est. Où? J'ai un portable. Où c'est? Pourquoi le portable reste pas à la maison? Vous prenez un peu de Dieu comme un musulman. Oui. Le portable, n'oublie pas le portable, hein? Non. Bible, on oublie. But we forget. She forgot the Bible. Bible, c'est pas tout. Elle m'a piégé. Je dois avoir ça tous les dimanches, on ne donne pas cadeau. C'est que le prophète donne, on donne tout ça cadeau. C'est pas toi, la vieille t'a jeté dans un camion là. Il a envoyé une sorcière ici dans Dina, elle a dit ah bon. Elle a jeté dans la bouche. Elle où? Hein? Ça va un peu? La fille, elle a monté courir au gars. La vie qui devait être blessée n'est pas blessée, lui il est blessé.
Qui savait pas lire, puis Dieu s'est révélé un matin, Dieu pensait à lire. Si tu as ça au moins, quelqu'un peut lire à toi. Je ne sais pas comment une excuse. Je ne sais pas lire là, c'est pas une excuse chez nous. Mais tu peux aller à l'école, coup de soin, ou bien. Tu peux pas aller à l'école. Pourquoi coup de soin, petit? Marie, mon joueur là-bas, tu peux moi dire ça. Dis-le. Hein? Moi, A. A. Acclamez le Seigneur pour les frères. Quand fait cela, pas cela, tu vas commencer à lire. Moi, A. Tu vas commencer à bosser. Aimer, et chercher à évoluer. Chez les blancs, il n'y a pas d'âge pendant l'école. Parce que ne savant pas lire, c'est un handicap. Oh, là où tu es arrivé, tu peux aller faire coup de soi. Simplement un nouveau ce deux te suffit. Tu as compris? Je suis en train de fouetter ton orgueil pour dire là où tu es là, tu peux avancer si tu veux. Just voilà, si tu veux, tu peux avancer. You can go, yes. Ah oui, il n'y a pas. On a connu un vieux cette année, l'année dernière, qui a eu PPC. Il avait 62 ans. Un candalé. Ah oui, dormait. Les gens, ils veulent avancer. Il y a les cours, les cours du soir, vous pouvez lire. Vous ne savez pas lire la parole de Dieu. Comment vous allez connaître les promesses de Dieu sur vos vies? Amen. Amen. Je suis allé acheter mes livres pour étudier ma propre culture. My own knowledge, and the Lord told me to buy the Bibles to preach to people. C'est juste, juste. J'ai entendu maman, il venait prendre deux livres partis. Encyclopédie biblique et puis dictionnaire, une nouvelle version, dictionnaire biblique, pour mes études. Le Seigneur dit, paye, bille, distribue. Fait Dieu les terrible. Dans les conditions bizarres. Donc il dit, mais l'argent, l'argent est où? Il dit, mais tu sais, prends un cadre maïtique. J'ai demandé, il dit, bon, attends, viens voir. C'est combien? Il dit 72 000. C'est 72 000. C'est 72 000, il est prendre le matin. C'est pas dans mon programme. Dieu dit, c'est lui dans son programme. Vous savez, quand Dieu veut vous bénir, il vous met à l'épreuve. Et apprenez à ne pas discuter avec Dieu par moment. Donc il n'y a pas discuté avec lui. C'est lui qui donne l'argent. J'ai pris ma carte maïque. Je suis allé prendre. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Désormais, il a dit qu'il faut faire ça maintenant. Les gens viennent pour leur donner les billes, il faut donner ça, il ne faut pas vendre. Il faut donner gratuitement aux gens. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. L'enseignement aujourd'hui est porté sur les rêves mystiques et leur impact. C'est-à-dire, il y a des rêves qu'on a besoin d'expliquer. Le rêve, écoutez très bien, l'introduction, le rêve est une activité observée durant ou au cours d'un sommeil, imprimant la mémoire de sorte qu'on au réveil, l'on s'en rappelle avoir effectué un souvenir de quelque chose. Ça veut dire que quand tu rêves, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te vient de vivre dans un rêve. Ça reste dans ta tête. C'est ce qu'on appelle un rêve. Or, un rêve est un message. Un rêve est un message. Dis à quelqu'un qu'un rêve est un message. Nous prenons Matthieu 2, le verset 12 à 13. Comment Dieu va parler à quelqu'un dans un rêve? Au travers d'un rêve plutôt.
to 30. Écoutez très bien. Je change vous donner les. Vous allez voir quels sont les règles que vous faites qui sont. Sometimes, je vous donne les enseignements. Matthieu 2, le verset 12 à 13. Verse 12. Matthieu chapitre 2, verset 12 à 13. Puis, divinement averti en songe. Attends, on est plus divinement averti en songe. C'est un rêve que Dieu va parler à Joseph. Allons-y. De ne pas retourner vers une autre retraite. Pardon, du moins aux mages. Ceux qui sont venus adorer Jésus, les mages, le roi mage. Allons-y. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Amen. Vous comprenez? Donc c'est au travers d'un rêve que Dieu a parlé à ceux qui sont venus adorer Jésus, les mages. To praise the Lord. Amen. Le rêve est un moniteur éclairant du monde spirituel. Donc, le rêve, là, c'est ce qui vous éclaire sur le domaine, le monde spirituel. Amen. Est-ce qu'on m'a bien compris? Il y a des rêves venant de Dieu. Et puis, il y a des rêves venant de la sorcellerie. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Ok. On va expliquer les deux formes de rêve, n'est-ce pas? Tout à l'heure, dans Matthieu 2, le verset 12 à 13, on est divinement averti en songe. Dieu dit, ne retournez plus chez Hérode et allez chez vous. Parce que Hérode était venu posséder, il a dit à ses rois, à ses mages, allez-y, si vous voyez cet endroit, venez me dire, j'allais adorer Jésus. Dieu a vu qu'ils étaient possédés, il dit, bon, allez-y, ne partez plus chez Hérode. Donc Dieu peut te parler au travers d'un rêve. Amen. Moi, il a l'habitude de le faire, il me parle au travers d'un rêve. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc Dieu peut parler au travers des rêves. Voilà, donc il y a les rêves qui viennent de Dieu. Et il y a les rêves qui viennent de la sorcellerie. Celui qui ne rêve pas du tout, c'est pas bon. It's not good. Vous allez dire, ah, prophète. Amen. Amen. Parce que celui qui ne rêve pas du tout, il ne peut pas avoir un message de Dieu. Have a message from God. Ou du moins, il ne peut pas connaître les œuvres du diable sur sa vie. Parce qu'il faut rêver, parce qu'au travers du rêve, Dieu parle. God can talk to you. Il dit, vos jeunes gens auront des songes dans Joël. That could even have some dreams. Donc, ne pas rêver ou bien oublier un rêve, c'est dangereux. Dreaming is dangerous. Est-ce que je m'avais saisi? Amen. Eh, moi, je ne rêve pas, c'est dangereux. I don't dream. Tu vas connaître quoi? Comment Dieu va te parler? How can God comment talk tu sauras des choses sur ta vie? How will you know things about your life? Est-ce que je m'avais saisi? C'est de tout ce que nous allons parler. So what are we going to talk about? Parce que d'abord, un rêve qui vient de Dieu, because a dream coming from God, il va d'abord t'avertir sur un danger de l'ennemi. Shall warn you on a danger about Dieu va t'en monter dans le rêve un danger. Shall show you a danger? Il va te révéler des projets. Some plans, some projects. Mais il va t'encourager. He shall encourage you. Amen. Amen. Thank you. Je fais les bénédictions. Amen. Donc je disais comme ça qu'un rêve venant de Dieu, ce qui vient de Dieu, il t'avertit sur un danger. Il te parle d'un danger. Talk to you about danger. Il te parle d'un danger. He talk to you about danger. Il te parle de la destinée. About your destiny. Tel que le rêve qu'a eu Joseph, n'est-ce pas? The dream that Joseph had. Joseph, Dieu lui donne un songe. Lord, give him a dream. Il a vu quoi? Tu connais le rêve de Joseph? J'ai pas oublié de la Bible. Il a vu quoi? Arrête. What did he say in dream? On ne sait pas ce que Joseph a vu en rêve. Don't you know what Joseph had in a dream? Hein? Le soleil, les étoiles venaient se prosterner devant la lune. Son père symbolisait le soleil et ses frères la lune. C'était un message, mais dans le son. Il parlait de sa destinée. Pour dire à Joseph, demain sera le dossier de ses frères. Amen. Donc Dieu parle. Donc le fait même qu'on dit on ne fait pas de rêve, c'est un danger. Comment tu sauras les projets de Dieu? Dis, allez, viens. Allons-y. Okay, God cannot talk to you. Tu as fui. Let's go. Saying let's go. Parce qu'il te connaît là, tu as fui. Because you can't. Tu es caché en brousse. Donc c'est dans le rêve que Dieu peut te parler. Donc Dieu donne un message au travers dans le rêve, dans le son, pour avertir contre un danger
Vous parlez de la destinée. C'est pour ça que c'est important que Dieu vous parle. Si Dieu ne te parle plus, tu es en danger. Est-ce qu'on me suit un peu? Si Dieu ne te parle pas, c'est que tu es en danger. Does not talk to you anymore, it means you are in danger. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, Dieu parle pour nous avertir de beaucoup de choses. Nous révélons nos destinées, nous parler des situations telles que le rêve qu'a eu Joseph. Il y a eu tellement de choses. Donc, c'est important de rêver. Quand tu dis que je ne rêve pas, c'est un problème. Comment tu sauras le message de Dieu? S'il y a quelque chose qui arrive, comment tu sauras ça? Amen. Il y a aussi des rêves then we have some dreams venant du diable. Coming from the devil. Un rêve qui vient du diable suscite une peur terrible. C'est différent. Un rêve qui vient de Dieu ne m'effraie pas. A dream coming from God. Il te parle de ton avenir, tel que le soleil vient se protéger devant la lune, les étoiles, pour Joseph. On a vu tout à l'heure, Dieu a parlé aux astrologues là. Voici. Mais un rêve de la sorcellerie du diable, ça effraie. Quand vous voyez ça, vous dites que non, j'ai fait un cauchemar, n'est-ce pas? The devil. C'est de tout ça. Mais il faut faire la part des choses. Il y a des messages qui viennent de Dieu. Et il y a des messages qui viennent du diable. C'est ce qu'on va essayer de voir. Amen. Amen. Nous prenons Job 4, verset 13. Job 4, verset 13. Je suis en train de développer. Je vais rentrer dans l'explication des sons tout à l'heure. Je vais vous parler des explications des rêves. Vous allez comprendre. Job chapitre 4, verset 13. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Amen. Vous comprenez? Reprends le message. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand tu as peur, quand cette vision que tu viens voir la nuit, tu as peur, tu es agité. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et mes os tremblaient. Donc, ce qui vient du diable nous effraie. Et il y a des gens qui font souvent des rêves très effrayants. Amen. Nous allons essayer de voir. Donc, le rêve qui vient de Dieu, c'est des messages. Ça n'effraie pas, ça ne fait pas peur. Dès que Joseph a vu un rêve, le rêve n'a pas effrayé. Ce qui fait un rêve que tu as peur, c'est un rêve venant du diable. Parce que je m'en ai saisi. Si tu fais un rêve qui ne fait pas peur, ça vient de Dieu. Amen. Maintenant, après ça, nous allons rentrer un peu dans les explications. Amen. J'espère qu'on me comprend. Je suis en train de vous enseigner quelque chose pour que vous puissiez, n'est-ce pas, décortiquer un peu et à savoir les explications. Amen. Alléluia. Comme je vous disais que le rêve, vous voyez, c'est des messages. Dreams are messages. C'est des messages de son côté. Hidden messages. Je prends un rêve. Par exemple, quelqu'un dort. For example, someone is sleeping. Amen. Il voit une rivière. And he sees et en train de marcher sur une rivière. Walking on the river. Quand tu vois dans un rêve when you see in the que tu marches sur une rivière. On the river. Amen. Ça veut dire il y a des territoires que tu vas posséder. Il y a des commerces, il y a des choses que tu vas. Ton commerce va grandir. C'est différent. Parce que marcher sur les eaux, signifie difficulté. C'est pour ça que le dit Jésus a marché sur les eaux. That's why Jesus walked on waters. Amen. Or, le symbole de mer, c'est des problèmes, des difficultés. C'est différent de celui qui se noie. On a compris? Il y a des gens qui se noient. Dans le rêve, ils ont l'habitude de se noyer. Quand tu te noies en rêve, ça veut dire que tu vas perdre ce que tu as. Si tu avais un foyer, tu vas perdre le foyer. If you had a house, you're going to lose it. Si tu avais un travail, tu vas perdre ce travail-là. Ce qu'on appelle les rêves mystiques. This is what we call mystical dreams. Faut qu'on vous explique ça. And we'll just explain it. C'est le rôle du prophète de vous expliquer les explications des rêves. Rôle of the prophet. Quand on voit de l'eau, une rivière, et qui marche sur cette rivière, c'est pas diabolique. C'est la possession de territoire. This is the possession of the territory. Ils sont en train de te faire parler, mais Dieu dit c'est pour toi.
C'est que ça veut dire. Tu vois qu'il t'a fait marcher chez l'eau. On te menace pour dire que ça là, personne ne peut te déraciner. Mais quand tu fais un rêve, et dans le rêve, tu te noies, ça veut dire le foyer là, tu vas perdre ça. Le travail que tu viens d'avoir là, tu vas perdre. Ton argent que tu viens d'avoir, tu vas te faire gâter. Ou bien le monsieur qui dit va te fiancer, il va fuir. Il sera si messagerie. Au rang bonjour, au correspondant a fui. Laissez-le en paix. Pourquoi il m'a dit pardon, le monsieur là, il ne va plus jamais revenir. Vous le laissez, vous ne pouvez plus appeler. N'envoyez pas de message. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Je suis en train de nous donner l'explication des rêves. Tu te noies. And then you draw. Tu te noies. Draw. Ou bien dans le rêve, tu es en train de te laver dream, avec de l'eau claire. Ça veut dire qu'ils t'ont accusé à ton travers, mais Dieu va te blanchir. Voilà, Dieu va te blanchir. C'est pas sirène des eaux. Les gens pensent que quand on voit un rêve, l'eau seulement en rêve, c'est sirène des eaux. Non. L'eau, c'est symbole de vie. Hein. Ça. Symbol of life. Et quand quelqu'un marche la nuit, c'est en même temps vie, problème, difficulté. C'est pour ça que la mer dans la vie devient trouble. On appelle ça les difficultés, c'est les symboles. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. On m'a bien saisi. Notez ça très bien. Oui. Notez ça très bien. Ok, prochainement, si vous avez des rêves, vous pouvez connaître les significations des différents rêves. Ça va vous aider dans la prière. Si vous ne rêvez pas, demandez au Seigneur de vous permettre de rêver. Parce qu'il faut que Dieu vous parle. Comment tu rêves ça? C'est dangereux. Comment tu sauras que le diable fait des manigances contre toi? Des choses contre toi, ou même Dieu a envie de te parler, il ne peut pas te parler. C'est dangereux. Amen. Quand vous faites un rêve, when you have a dream, et puis vous voyez un éléphant qui vous poursuit, you see an elephant, vous voyez un éléphant dans le sommeil, dans le rêve, nez à nez avec un éléphant, in your dream, ça veut dire, il y a une force qui va venir t'attaquer. Il y a des gens qui vont s'élever contre ce que tu es en train de faire. What you're doing. On m'a bien saisi. Est-ce qu'on me saisit un peu? Amen. Je suis en train de vous aider. Je vous avais promis les explications. Amen. Quand vous faites un autre rêve, ça c'est le troisième rêve. Quand vous faites un rêve, et vous voyez que la chambre, on vous offre une chambre. Et puis c'est bien décoré la chambre. Vous voyez, c'est bien joli. Quand vous réveillez, remerciez le Seigneur. Amen. Parce que vous aurez une promotion. Because you shall have a promotion. Vous allez voir forcément une promotion dans le travail. Have a promotion. On va bien saisir. La chambre est bien décorée, voyez, on vous donne. On dit, voici où on vous a logé. Vous voyez que la chambre est bien décorée. Ça veut dire que vous aurez une promotion. Les temps qui suivent là, il y aura une promotion. Donc déjà, dans ce que nous sommes en train de voir, vous pouvez déjà voir les rêves sataniques et les rêves venant de Dieu. Mais ce n'est pas tous les rêves qui sont sataniques. On m'a bien saisi. Amen. Amen. Ou même pendant que vous dormez, vous voyez une horloge, la montre. While dreaming, si quelqu'un est malade, il est gravement malade, et qu'il est couché, et dans son rêve, il constate qu'il entend de regarder l'horloge, qui vous explique ce que son temps est arrivé. Ça veut dire que la mort n'est pas loin, ça veut dire que le temps arrive. Le temps arrive pour qu'il parte. Parce que l'horloge veut dire le temps. Le temps arrive. La clock means time. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Est-ce qu'on saisit un peu ce que j'ai dit? Amen. Est-ce qu'on me saisit un peu? Amen. Le cinquième rêve, quand vous rêvez, un séisme, c'est-à-dire les tremblements de terre, vous êtes là quelque part, puis vous savez que tout devient noir autour de vous dans le rêve, et puis il y a tremblement de terre. Ça veut dire les temps qui suivent, vous allez être violemment éprouvé. Il y a une preuve qui va venir quelque part, qui va te secouer. C'est une preuve. Il faut commencer à prier. Start praying. Quand tu te lèves, il faut prier. Parce que tu seras confronté à une épreuve. Toughness. Là, c'est le cinquième rêve, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Le sixième rêve, quand vous rêvez, what is dream? Amen. Amen. Que quelqu'un that someone pointe le fusil, le coup de fusil sur vous comme ça. Put the gun on you like this. Ça veut dire, it means ils vont vous accuser. Shall be accused. Les temps qui suivent, vous aurez une accusation très grave. Shall be accused.
Accusant, ça dit, je n'ai rien fait, mes bouches sales laissent. Moi, j'appelle la bouche des accusateurs la bouche sale. Ça veut dire, quand tu vois le rêve, puis quelqu'un veut copier mes fils chez toi. Puis tes frères te rêvent. Elle est temps que tu là. Tu n'as rien à voir une histoire, ils vont venir coller ça sur toi. Laisse-moi de vous expliquer hein, les significations des rêves. Just explaining definition of the dreams. Ou bien vous rêvez le 6, le 7ème rêve, vous voyez que quelqu'un vous montre carrément. And someone can show you a tablet. Amen. Amen. Quelqu'un vous montre carrément comme ça. What shows you that? That is a tablet. Si quelqu'un vous montre carrément rêve, which one shows you tablet? Vous rêvez, vous êtes frais. When you wake up, c'est une captivité. Vous restez de faire prison. Ah oui. Prison. You can be in jail. Je vous avais promis ça, je vous ai expliqué les rêves mystiques et tout ça. Après ça, je vais toucher un peu les chiffres. Souvent, il y a les chiffres qui nous montrent dans les rêves. Vous savez, des fois, j'essaie d'expliquer. Voilà. Parce que c'est important. Because it is very important. C'est important pour votre propre salut, c'est important. For you. Ça, c'était le septième rêve. Le cadenas, quand vous voyez sans rêve, quand vous brandiez un cadenas, quand vous avez une il y a une captivité, vous pouvez avoir des problèmes. Amen. Amen. Le huitième rêve, souvent on rêve, est-ce qu'on voit le pasteur qui vient nous rendre visite? And then we see the pastor telling vous avez l'impression qu'un homme de Dieu vient nous rendre visite. You have the impression that ce rêve-là, la signification, ça veut dire Dieu te donne l'autorité. Il y a un problème là. Quand tu vois, c'est-à-dire Dieu va donner le pouvoir sur ce problème-là. Il va te faire voilà, prendre le dessus sur ce problème. La façon qu'on vient te rendre visite, un homme de Dieu vient te rendre visite, il t'accueille, voilà, il vient te rendre visite, il part avec lui dans le rêve. L'autorité. C'est un sign of authority. Amen. Je ne vois pas les entendre dire Amen. Amen. Parce que ça ne vous dit rien. C'est mon propre culture. Amen. Amen. Si vous êtes dans un rêve, you see in a dream, et que vous êtes quelque part dans le rêve, then you're vous voyez un président de la République that you see qui descend d'une voiture, coming down from the car, il vient te saluer. He greets you. Quand tu te lèves, when you wake up, baisse-lui sur ta tête. Ça veut dire, Dieu va te taper au-dessus de tes frères. Il va te taper au-dessus de tout le monde. C'est un puissant rêve. Quand vous voyez un président de la République dans le rêve, qui vient te saluer, c'est le symbole de supériorité. Amen. Amen. Maintenant, on sait, manger un rêve, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire initiation à la sorcellerie. Initiation. Initiation à la sorcellerie. Ou bien, quand on te tire, on tire sur toi, c'est différent de te montrer un fusil comme ça sur toi, un pointeur fusil, c'est différent. Quand on te pointe un fusil, on a dit quoi, c'est accusation, n'est-ce pas? Maintenant, quand on tire sur toi, c'est un problème d'accident. It's a matter of accident. Ou un chien te mord, c'est la sorcellerie, j'ai un problème d'accident. Ou un bœuf te poursuit. Le bœuf quand il te poursuit, ça veut dire que les sorciers sont à ta trousse. Ils t'ont mis dans un filet. Ils t'ont mis dans un filet. Ils attendent l'occasion pour toi. Mais quand le bœuf te coigne, ça veut dire que la sorcellerie t'a déjà détruit. Quand le bœuf te coigne en rêve, c'est dangereux. Maintenant dans le rêve, il y a des gens quand ils rêvent, quand il y a une épreuve, quand les poursuit, s'envole. Ils ont l'impression qu'ils s'envolent. Ça veut dire que Dieu te donne la victoire si le problème. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Je vais revenir encore là-dessus sur le dimanche prochain. Parce que je vais poursuivre toute une série des rêves mystiques de leur impact. Pour que vous puissiez comprendre. Il y a des messages que Dieu vous apporte dans les rêves que vous n'avez pas décortiqué. Leur impact. Don't know how to explain. Et souvent vous réveillez, vous voyez des chiffres en rêve. Et ça c'est important, ça a leur signification. They are meaningful. Le chiffre 1, par exemple, quand vous voyez ça en rêve, ça veut dire que le chiffre d'unité. L'unité 1. Ça veut dire unité. Ça dit, voilà. Maintenant le chiffre 2, c'est l'union. Team le chiffre 3.
Je vous parle des différents chiffres qui sont dans la Bible. La prochaine fois, nous allons l'intéresser en fonction de l'explication des chiffres. C'est ce qu'on appelle la numérologie biblique. Le chiffre 3, c'est accomplissement. This is accomplishment. Le chiffre 3. Le chiffre 4, c'est la stabilité. Le chiffre 5, c'est la grâce. This is grace. Mais voici un chiffre peut-être que vous ne maîtrisez pas. Le chiffre 6, c'est faiblesse de l'homme. Weakness. Quand on va te présenter le chiffre 6, c'est qu'il y a une chute qui t'attend. Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Le chiffre 7, c'est la perfection. Perfection. Le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 9, c'est la naissance. Quand on te montre le chiffre 9, ça veut dire tu vas enfanter, tu vas. Voilà, la douleur, pain, les problèmes. Troubles. C'est pour ça que c'est vraiment important pour ceux qui sont beaucoup dans le prophétie. Quand il y a les difficultés terribles, il faut reprendre les psaumes 9 fois présents. Mais le chiffre va nous intéresser. Bon, le chiffre 10, le chiffre 10, c'est le commandement. Le chiffre 11, c'est le jugement. Le chiffre 12, c'est autorité ou règne. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Le chiffre 13, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas faire ça, c'est rébellion. This is rebellion. Le chiffre 14, c'est l'alliance. Alliance. Parce que c'est un chiffre que les gens négligent. Le chiffre 21, c'est la victoire. It is victory. Daniel a gêné 21 jours. Daniel. Le chiffre 21. Sauf cela que, regardez. Pour ceux qui ont des grandes connaissances spirituelles, le mois de mars est très important pour le jeûne. Le 1er mars jusqu'au 20e mars. Le 1er mars jusqu'au 20e mars, c'est fait pour régler toutes les épreuves. C'est fait pour régler tout ce que vous n'arrivez pas à avoir comme acquis spirituel. Sauf cela que le 20e, à partir du 1er mars, jusqu'au 20e mars, ne jouez pas à ça. Le 1er jusqu'au 20e. Moi, il m'est arrivé un moment de ma vie, j'ai fait 21 jours de jeûne. Et ça m'a beaucoup aidé dans le ministère. Le 21, le chiffre 21 veut dire victoire. Fasting. And 21 means victory. Amen. 23, c'est la mort. 23 means death. Et la prochaine fois, je vais vous donner avec les références bibliques. Amen. Voilà, ils chantent de nous donner ça pour que j'ai dit. La prochaine fois, c'est le chiffre 23 qu'ils utilisent. Talk about death, they use the figure 23. Amen. Le chiffre 122, rendez-vous divin. Il fait 120 ici, 120 dans la chambre haute. Le chiffre 600, c'est gain. Le chiffre 666, c'est la marque de la bête, n'est-ce pas? C'est les différents chiffres qui sont énumérés concernant la Bible. On aura l'occasion de revoir tout ça. Donc, par moment, il y a des chiffres que nous voyons dans les rêves. On essaye de donner quelques explications. Pour dire, nous venons de commencer l'enseignement sur les règles mystiques et leur impact. C'est-à-dire qu'on est règles mystiques, quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mystère, caché. Nous sommes en train de vous révéler ce que ça signifie. Donc, il y a deux différents rêves. Il y a les rêves qui viennent de Dieu et il y a les rêves qui sont démoniaques. Amen. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. Quand vous réveillez et puis vous en pointez dans le rêve, quand on pointe un fusil sur toi, ça veut dire quoi? Hein? C'est accusation. Bon, tu rêves et puis tu te noies sur moi, tu bois l'eau. And then you travel. Tu te noies sur moi, ça veut dire quoi? Hein? Lose hein? Job. Tu vas perdre, ouais. C'est l'échec. Femme. L'échec dans le divorce. Tu vas voir échec. Quand tu vois t'en train de te noyer, il faut aller te faire délivrer. C'est la signification. Mais si tu marches sur l'eau, c'est une victoire. Voilà, c'est une victoire. Amen. C'est pas la sirène. Les gens pensent que non, je vis de l'eau, mais c'est la sirène des eaux. Non, c'est pas tout qui est sirène des eaux. On peut comprendre. Parce que l'eau même, c'est symbole de vie. Voilà, dans la Bible. Voilà, donc voici un peu les explications. Amen. Voici un peu les explications. Je vais progresser au fur et à mesure. Dimanche prochain, je vais revenir encore sur la révision. Ça, c'est aujourd'hui l'introduction. Et puis, je vais développer. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un dit qu'il ne rêve pas, c'est pas bon. Si tu attaques, comment tu sauras ça? On est divinement averti par le Seigneur. Donc, tu as dit, tu es averti dans le rêve. Mais toi, tu ne rêves pas.
C'est ça qu'aujourd'hui demandons au Seigneur de nous donner cette possibilité d'avoir des rêves, mais bien sûr leur explication. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. J'aurai l'occasion de décortiquer ça très bien. Aujourd'hui, c'est justement l'introduction. Parce qu'il faut que Dieu vous parle. Because God must talk to you. Tu ne peux pas te l'appeler, Dieu ne peut pas te parler. You cannot be here and God cannot. Tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Oh, en réalité, il y a des choses qui se passent autour de toi. Oh, Dieu peut parler dans les songes. Amen. Donc, on prie. On prie. On lève les deux mains. Et nous demandons au Seigneur de nous bénir. Amen. De se révéler à nous. Et de nous bénir en nous donnant, n'est-ce pas, le don de son, le don des rêves. Nous prions ensemble, Seigneur. Je veux voir tout le monde entendre prier. S'il vous plaît, je veux voir tout le monde entendre prier. Je veux voir tout le monde entendre prier. Entendre prier. Entendre prier. Entendre prier. Je veux voir tout le monde prier. Tout le monde en train de prier. Je vois tout le monde en train de prier. Everybody pray. Que Dieu nous parle. Demande à Dieu de nous parler. Demande à Dieu de se révéler à toi au travers des rêves, des songes qui te parlent. Seigneur, chacun d'entre nous fait. Demande la grâce de Dieu. 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 As the grace of God. Demande la grâce de Dieu. As the grace of God. Seigneur le Seigneur. Let's pray the Lord. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Oui, prie, 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 prie. Prie, prie ensemble. Prie, élève ta voix et prie. Prie. Ne te tais pas. Invoque le feu divin. Dis, Seigneur, que tous les aliments que l'ennemi m'a fait manger soient consumés par ton feu. Au nom de Jésus. Prie. Prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Continue de prier, continue de prier. Tout ce qui t'a fait manger, qui crée la connexion. Tout ce qui t'a fait manger, oui, il bloque la destinée que tout cela soit conçu. Continue de prier. Tout aliment que tu as mangé dans tes songes, tout ce qui t'a fait manger et qui met des fibromes dans ton ventre, qui créent une connexion diabolique. Oui, tout aliment qui t'ont fait manger en vue de t'initier à la sorcellerie, que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Tout ce qui crée la connexion, le contact entre toi et la sorcellerie, que tout cela soit consumé par la sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, prie avec vie. Au nom de Jésus, que le contact soit détruit maintenant. Que l'envoûtement soit détruit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Établi peut-être. Il veut te faire asseoir dans ta destinée. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, si cela vient de toi, réellement, Seigneur, je vais voir son accomplissement. Parce que tu m'as montré, je sais que tu vas réaliser cela. Élève la voix, commence à prier. Et dis-lui, Seigneur, je vais voir l'accomplissement du rêve que tu m'as montré. Élève la voix et commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, tel que tu t'es révélé à Joseph, Seigneur, je prie que, Seigneur, ce songe, cette vision que tu m'as montré, se réalise aussi pour moi. Prie, prie, oui, prie. Seigneur, fais-moi asseoir dans ma destinée. Fais-moi asseoir, oui, dans ma richesse et tout ce que tu m'as montré. Prie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Au nom de Jésus. Que Dieu te fasse asseoir dans ta destinée. Que Dieu réalise le projet qu'il t'a montré dans ta vision. Que Dieu te fasse asseoir, oui, de la bénédiction qu'il t'a montré, dans le nom de Jésus.
de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes.